Salut, c'est le Médecin 13. On se retrouve donc pour la suite du tour de TJ Van Garderen. Donc qui avait passé maillot blanc avec Froome à ses côtés. Donc le but c'est de prendre 30 secondes à Froome. Du moins ne pas en perdre en espérant les reprendre contre la montre. Disons qu'il y a cette montée plus le contre la montre pour lui reprendre une trentaine de secondes. 23 même. Ah oui, Nibali s'est échappé. Hein. Nibali s'est échappé devant dans la descente. Je vais vous faire le point. On a Pinotti dans l'échappée. Roland y va. C'est un peu tôt peut-être. Donc on a Pinotti dans le groupe devant. Sprick, Simon, ils sont. Ah ben, Nibali, il est maillot jaune virtuel là. Ah presque, à quelques secondes près. Nibali 2.08, il est tout seul. Bon allez, il faut que je joue bien. J'ai deux abricots et un gel pour gagner du temps sur Froome. Et puis essayer de gagner du temps sur Nibali aussi finalement. Bon, sauf que Nibali au contre-la-montre, je sais plus s'il a 76 ou 78. Je crois qu'il a 78. Hein. Donc j'ai quand même Evans pour m'aider. Allez, ce que je vais faire. Il y a Moinard, le maillot à poids qui est toujours là aussi. Même Gilbert, il est là. Forcément, ça n'a pas beaucoup roulé dans le peloton. Bon, voilà, Nibali est en train de perdre du temps. Donc ça, c'est bon. Evans, pour l'instant, je vais le laisser tranquille. Je vais lui demander comment il va quand même. Aïe aïe aïe. Alors Froome il y va. Bon bah Evans tu vas me protéger. Parce que là l'ami Froome. L'ami Froome il est parti. Non, non, ça revient là. Vas-y, Froome, épuise-toi. Il y a Cadel, il s'est bien cramé. Hein. Alors, Cadel, vas-y, suis-moi. Parce que je vais avoir besoin de lui quand même après. Aïe, aïe. Evans, je l'ai un peu tué. Et Froome, il s'est remis derrière. Allez, faut rentrer tout de suite. Ouais, c'est bon, Evans, il est là. Allez. On va recoller. On va recoller, c'est pas encore fait. Ça y est, c'est fait. Allez. Allez, allez, allez. Ah, c'est dur ces derniers mètres, toujours. Ah là 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 là. Voilà. Allez, Evans, récupère. Moi, je vais récupérer un peu aussi. En plus, j'ai quand même des abricots à prendre, donc je suis pas trop mal. Bon, Evans, il a l'air en forme finalement. Hein. Non, il a pas trop pris Evans, c'est bien. Bon, Nibali, on va rentrer sur lui. Pinotti. Ah bah Pinotti il est tout seul devant disons. Sans rien lui demander. Ça c'est bien. Froome. Je peux pas lui mettre un coup de coude là, non. Le pousser dans le talus.
Evans, il va me rendre service quand même là. Hein. Il a l'air pas mal. Sanchez, il y va. Après, j'essaie de suivre ça. Hein. Froome, il a pas l'air bien là. Allez, j'en mets un petit coup. Si Froome pouvait accuser le coup. Allez, là. Bon, là, faut que je prenne quelque chose. Hein. Un petit abricot. Allez, faut que je récupère du rouge. Là. Tout le monde a besoin de faire une petite pause. Voilà, moi je vais récupérer tranquille. Oui, bah Sanchez, il fait le beau. Anibali, il est juste devant. Alors, maillot jaune. Faut qu'il se crame un peu le maillot jaune là. Et du coup, Nibali, il a repris ses 30 secondes. Donc, virtuellement, Nibali me passe devant. Putain, Evans, il est en pleine forme, là. Hein. Et Froome, il n'a pas l'air au mieux, hein. Alors, est-ce que je fais attaquer Evans pour forcer? Ouais, il travaille déjà assez comme ça pour rattraper Sanchez. Moi, je vais rester tranquillement là pour l'instant. Voilà, mes barres sont bien remontées, là c'est tout bon. Sanchez, on le rattrape, Nibali aussi. Donc le problème reste... Froome. Là c'est bien, c'est lui qui mène là, donc il se fatigue un peu. Enfin, un peu plus que nous. Moi j'ai encore mon équipier. Pinotti, il dit quoi là? 1-0-6. Ah, il flanche un peu Pinotti. Ah oui non mais c'était pas Nibali qu'on voyait là. Hein. Il a toujours ses 30 secondes, ça c'est Garance. C'est même Winning. Je sais pas d'où il sort lui, Winning. Bon, de toute façon, c'est le groupe qu'on voit juste devant là, qui passe sous la flamme des 10 km. Alors, c'est là que ça se joue, faut pas déconner. Donc là, il y a 3-4 km avant de basculer. Froome, là, faut le forcer à bosser, là. Je vais faire attaquer Evans. Voilà. Comme ça, Froome, il est obligé d'attaquer, il est obligé de forcer. L'enfoiré. Sauf que du coup, c'est lui qui attaque. Ça, c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu du tout. Pêche qui calanche là. Alors Evans. Ouais, enfin, il va pas mal pour un bof-bof, hein. Ouais, Sanchez, il est mort. J'aimerais bien qu'on bascule là quand même. Hein. Je suis même pas protégé du vent en plus.
Ah, ça va fort là quand même, hein. Pour Vandergren, c'est un peu limite là. Et Roland, il en remet une couche. Hein. Ouais, faut revenir sur Nibali quand même. Oh là là, Froome. Il y va la Froome, non? Ah, il y va difficilement quand même. Allez, je vais mener comme ça. Froome, il sera moins tenté d'attaquer. Bon, sauf qu'il va récupérer un petit peu, mais bon. Mes barres sont pas trop mal. Enfin, puis le but, c'est surtout de ne pas perdre de temps. Ah, mon petit Pinotti. Ah, Nibali, il est passé devant. Donc, Pinotti, il est mort. Est-ce qu'il lui reste un peu d'énergie à Pinotti? Comment ça va? J'en peux plus, les gars. Ouais. Ouais, c'est dur, là. Et du coup, ça fait freiner Roland. Ça aura moins servi à ça. Donc, on est quand même 3 BMC, là, dans le groupe. Pinotti, bah, il va s'accrocher comme il peut. Bon, là, je suis à 3 barres et demi, donc c'est pas mal. 24 secondes d'avance pour Nibali. Ah, Froome, il a les fourmis dans les pattes. Ah, 26, il creuse. Alors, je vais me mettre à 2 barres. Donc là, on arrive en haut. On arrive à la bascule. Moi, je vais prendre mon jaune. Ouais, Evan, c'est toujours là. Roland, il en remet un coup, mais bon. Froome, t'y vas ou pas? Oh, Froome, il est pas bien. Oh, Froome, il est pas bien. Froome, il est pas bien du tout. Il est pas bien du tout. Allez, allez. Donc là, je prends mon truc. Froome ne suit plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, j'ai pris mon jaune. Le rouge va remonter tout seul. Il restera donc 3 et quelques kilomètres pour faire un écart sur Froome. Alors ça, je m'attendais pas vraiment. Je vais quand même pas me mettre super fort pour pouvoir. Donc je vais dire à Evans de rester dans le groupe. Sans problème. Bah, Pinotti pareil. Reste dans les roues. Et puis Moinard pareil. Observe, mais les pelotons pareil. Bien reçu. Bref, c'est pas la priorité là. Je vais quand même dire à ce groupe de finir tranquille. Et il revient. Ah si, ils reviennent. C'est bon, ma barre rouge. On va dire qu'il y en a assez, surtout que j'ai encore un gel. La barre jaune, ça va pas mal. Allez, faut que je garde un poil d'avance, pas qu'ils reviennent, parce que là. Là, il va recharger les accus, il va pouvoir remettre un coup. Hein. Je le connais, le bonhomme. Et par contre, c'est Nibali, hein. Nibali qui prend le maillot jaune, là. Donc là, il faut absolument revenir un peu sur Nibali. Je me mets à 2 barres et puis je finirai fort. Bon, l'important, c'est quand même Froome, parce que c'est lui qui est le meilleur en contre-la-montre. Entre Nibali, Froome et Van Garderen. Ah non, mais il est cuit, Froome, là. Quand
crois que Nibali il creuse fort là, hein, m'inquiète un peu. Ah, c'est Sanchez qui va ramener Froome, c'est pas possible. Ce que ça donne ça. Allez mon petit Roland. Il faut que j'arrive à suivre là. Attention, attaque. Faut réagir, vite. Ah, je me suis cramé le rouge complet là. Ah, j'ai pas fait gaffe, j'en ai mis un peu trop là. Ah oui, non, mais même beaucoup trop même. Ah mais oui, l'écart que je vois depuis tout à l'heure, c'est avec Froome que je suis bête. Ça, mais c'est bizarre, mon rythme cardiaque, il veut pas descendre. Allez, faut que tu m'aides là, mon petit Pierre. Il veut pas. Hein. Putain, mais j'ai mal joué, hein. Putain, il veut pas descendre le rythme. Alors ça, j'ai jamais vu ça. La machine s'est emballée. 177. Alors que je mets rien. Ben ça, c'est ouf, ça. Du coup, mon rouge, je vais le prendre. Ouais, attends que je sois à 176, hein, ça me pose pas trop de problèmes, moi. 175, 1,5 km. Ouais, je vais quand même le prendre maintenant. Mais là, c'est un bug, c'est pas possible. Je suis à une barre là. Ah, il est resté bloqué là. Ben ça c'est un beau bug, hein. Ben, ça va que j'avais mon... Ah c'est con parce que du coup je peux pas bien gérer le truc. Non mais quel que soit le niveau où je me mets, ça change rien quoi. 181. Ah c'est con, il est fini le truc. Ah, du coup il explose complètement Froome. Et là ce qu'il y a c'est qu'il va se cramer sur la fin là. Je contrôle plus rien là. Hein. Alors ça c'est un beau bug ça. Bon je pense que ça va pas changer grand chose au résultat final mais... Mais heureusement qu'il n'y a que 500 mètres. Hein. Je sais pas ce que c'est que ce bug. On n'avait jamais fait ce truc-là. Ah, j'aurais peut-être gagné l'étape, c'est con. Ah, du coup, Roland va me repasser, je pense. Bon, bah, je perds pas de temps sur Nibali, je récupère le maillot jaune, ça c'est pas encore fait, mais 40 secondes. 40 secondes, c'est quasiment fait. Bon, un bug qui m'a pas trop gêné, mais bon. Là, quand même, Froome, j'ai bien éclaté. Evans, Froome, donc Froome, il perd 20... Oh, bah, tout juste, hein. Il perd 27 secondes. Donc, je reprends le maillot pour 4 secondes. Et Evans, ah ben non, il perd 30 secondes sur Nibali. Par contre, qui était troisième? Ben Nibali, ouais. Ouais, je suis con. Ouais, donc non, Evans, il reste toujours quatrième. Bon, bah ça s'est pas mal déroulé cette affaire, hein. Alors, on va voir les classements. Donc, Pinotti, il a pas trop mal résisté. Ouais, encore que.
Mais bon, on a un beau tir groupé quand même dans les 15 premiers, donc ça c'est bien pour le classement d'équipe. Donc à la montagne, bah c'est Pinotti qui prend les points. Au maillot vert, c'est pareil. Les jeunes, Van Garderen normal. Et la BMC, donc au général, 1h11 d'avance sur Europcar. 20 minutes d'avance au maillot blanc pour Van Garderen sur Taramae. Uchov qui garde son maillot vert avec 10 points d'avance sur Cavendish. Joli tir groupé aussi. Moinard qui garde son maillot à poids là, tranquillement avec 62 points d'avance sur Martinez. Et donc voilà, Van Garderen qui reprend son maillot pour 4 secondes. Nibali est à 15 secondes. Et Evans 4ème à 2,03. Ah ben ça promet un contre-la-montre serré, hein, puisque Froome a 79 en contre-la-montre, Nibali 78 et Van Garderen 77. Donc ben voilà, je vous donne rendez-vous pour le petit sprint de l'arrivée à Brive, et après ça sera le contre-la-montre. Donc merci d'avoir suivi et à bientôt. Bye bye.